Et salut à tous ces amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les figurines films Marvel et Eagle Moss figurines de collection patte à la main super-héros des films Marvel. Aujourd'hui, c'est la 27e figurine et aujourd'hui, on s'occupe de Heimdall, donc de l'univers de Thor. Donc, et aussi le petit papier vert que vous voyez ici, je vous en parlerai. Après la vidéo, tout de suite, ouverture. Donc, ici, le livre donc sur Heimdall. Voilà. Donc, le derrière, c'est la première figurine de l'univers de Thor. Je répète, Thor 1, bien sûr. Donc, voilà. Jolie couverture. Donc, une photo de Heimdall. Joué par Idris Elba, je vous le rappelle. Et qui sera à l'affiche de Thor Ragnarok. Voilà. Pour le livre, évidemment la figurine de Heimdall et la petite chose verte que vous avez vue, et eh ben c'est un petit papier, donc un petit papier sur le hors-série numéro 3, donc qui est Groot. Mon marchand de journaux ne l'a malheureusement pas encore commandé, donc la vidéo viendra après celle-ci. C'est dommage parce que Hulk et Hulkbuster, je les ai eu en même temps que les figurines. Donc, c'est un peu dommage. J'espère ne pas louper cette figurine. Donc, voilà, elle se trouve au prix de 25,99€. Donc, elle est vraiment... Elle a l'air vraiment d'envoyer. Donc, voilà pour cette parenthèse. Donc, maintenant, on va s'occuper de la figurine. Le certificat d'authenticité. Donc, voilà, Heimdall. Donc figurine assez sympa, c'est dommage, enfin c'est un peu comme dans le film je pense. L'armure je la trouve très simpliste, voilà, bon, c'est ce qu'il y a dans le film donc. Voilà, je trouve que c'est une armure très simpliste quand même dalle. Je me souviens plus exactement celle qu'il a. Mais ça ne fait rien, je trouve que c'est une très jolie figurine, donc avec son épée qui est plantée, contrairement au sceptre de Loki qui bouge un peu. Non, cette épée est plantée. Elle n'est pas très droite, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est un petit défaut, mais rien de grave. Non, c'est une très jolie figurine que je vous encourage à aller acheter. Donc, voilà, le logo de Thor, donc le marteau, Mjolnir. Donc, figurine très sympa. Qu'est-ce qui nous attend dans 2 semaines, après, évidemment, le hors-série de Groot? Et grande surprise, dans 2 semaines, on retrouvera la première de Captain America Civil War. Ce n'est autre que Black Panther. Je suis sûr que ça va être une figurine magnifique. Regardez-moi cette figurine. Il me tarde vraiment de voir à quoi elle ressemble. Donc l'envers du décor, Chadwick Boseman, tout un univers à créer d'héros en guerre. donc l'incroyable guerrier roi, héros du Wakanda, excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez des j'aime, des commentaires et abonnez-vous. Allez, salut !